Au moment de son vol inaugural en juin 1939, le Focke-Wulf 190 était incontestablement l'avion de combat le plus moderne du monde. Grâce à son énorme puissance de feu et à son niveau de performance exceptionnel, ce petit appareil à moteur radial disposait de tout le potentiel pour surclasser l'ensemble des chasseurs alliés de son temps. À sa mise en service en 1941, il allait connaître un succès immédiat. Les pilotes alliés, à qui il infligea tant de pertes, le surnommèrent bientôt l'oiseau bouché. Pendant 4 ans, le FW-190 servit sur tous les théâtres d'opérations allemands, depuis l'Afrique du Nord jusqu'à la Russie. Il fut, par la quantité, le deuxième avion de la Luftwaffe et l'un des chasseurs les plus redoutables de son époque. Sa grande polyvalence lui permettait de remplir avec toujours autant d'efficacité différents types de missions. À la fin de la guerre, il avait été produit à plus de 20 000 exemplaires. Outre les nombreuses variantes en tant que chasseur et chasseur-bombardier, d'autres versions ont vu le jour, comme celle de l'appareil d'attaque au sol, le chasseur lance-torpille, le chasseur de nuit, ainsi que des versions d'entraînement et de reconnaissance. En 1941, le Focke-Wulf 190 faisait l'admiration à la fois des pilotes allemands et des pilotes alliés. Beaucoup d'entre eux le considéraient comme le meilleur appareil à moteur radial de toute l'histoire de la Luftwaffe. Et à la différence du Bf 109, qui excéda rapidement son potentiel de développement, la machine de Kurt Tank demeura un adversaire redoutable pour la majorité des chasseurs alliés, et ce, jusqu'à la fin de la guerre. La société Focke-Wulf vit officiellement le jour en janvier 1924, lorsque les pionniers de l'aviation, Heinrich Focke et Gerd Wulf, s'associèrent à un célèbre homme d'affaires de Brême, Werner Neumann. Wulf avait été incorporé dans l'armée de l'air allemande 10 ans plus tôt et était devenu, à la fin du premier conflit mondial, un pilote accompli. Focke occupa le poste de directeur technique et Neumann, quant à lui, celui de directeur commercial. Wulf, de son côté, prit en charge tout ce qui concernait les essais en vol. Cette société orienta, dans les premiers temps, ses efforts vers la production d'appareils légers de transport, mais ne connut aucune grande réussite commerciale avant les années 30. En septembre 1931, Focke-Wulf fusionna avec la vieille société Albatros et bénéficia dès lors du savoir-faire de ses meilleurs ingénieurs. Au mois de novembre de la même année, l'usine de Brême vit l'arrivée du très talentueux Kurt Tank. Cet ingénieur électricien, qui possédait déjà plus de 20 ans d'expérience en aéronautique, se vit nommé au poste de chef de projet. Pour sa part, Heinrich Focke, qui s'intéressait de plus en plus au concept novateur de l'hélicoptère, démissionna du conseil d'administration en 1932 pour fonder sa propre société, la Focke Argelis. L'accession d'Hitler au pouvoir en 1933 entraîna une complète transformation de l'industrie aéronautique allemande. Kurt Tank, assisté d'une équipe d'ingénieurs exceptionnels, devint la force motrice de Focke-Wulf, qui reçut alors différentes commandes de prototypes de la part du nouveau ministère de l'air du Reich, le RLM. Le Reich Luftfahrtministerium. Le FW-44 Stieglitz fut le premier appareil pour lequel cette société reçut de grosses commandes. Elle allait, grâce à lui, commencer à jouir d'une reconnaissance internationale. Ce biplan d'entraînement à deux places servit dans la Luftwaffe pendant plus de 10 ans. Il fut suivi d'un appareil d'entraînement plus perfectionné, le FW-56 Stosser. Cette machine, qui servit plus tard de modèle au Stuka, fut le premier Focke-Wulf à être entièrement conçu et développé sous l'unique responsabilité de Kurt Tank. Vint ensuite le FW-57, le premier avion tout métal de cette société qui allait figurer parmi les principaux protagonistes dans l'appel d'offres du RLM en 1936. Cette même année, une autre compétition du même type opposa Arado, Heinkel, Focke-Wulf et Bayerisch Flugzeugwerke. Le contrat avec la Luftwaffe portait cette fois sur la production d'un chasseur monoplace. Heinkel, BFW et Arado avaient tous trois opté pour la solution du monoplan à aile basse. De son côté, le FW-159 de Kurt Tank était un avion à aile haute.
Victime d'insurmontables problèmes au niveau de son train d'atterrissage escamotable, le FW-159 vit le contrat lui échapper. Celui-ci revint au BF-109 de Messerschmitt. Cette expérience avait toutefois permis à Tank et à son équipe d'engranger de nouvelles connaissances. En 3 ans, Tank produit alors 2 remarquables avions. Après des essais en vol particulièrement concluants, le FW-189, baptisé le Hibou, fut commandé massivement pour servir de simple avion de reconnaissance. Pourtant, même s'il avait déjà été largement utilisé avant la guerre, les Alliés ignorèrent son existence jusqu'en 1941, année où ils lui donnèrent le surnom d'œil volant des armées allemandes. Sur le front de l'Est, cet appareil donna toute satisfaction. De plus, sa formidable maniabilité en faisait une cible difficile pour les chasseurs. D'autre part, sa structure était exceptionnellement résistante. Plus d'une fois, l'un d'entre eux réussit à regagner sa base après avoir subi de sérieux dommages au niveau des ailes. Produit pour les vols commerciaux long courrier de la Deutsche Lufthansa, le FW-200 Condor établit quant à lui d'impressionnants records de durée de vol sur des destinations telles que New York ou Tokyo. Cela lui permit de décrocher par la suite de nombreuses commandes à l'exportation. En tant qu'avion militaire, le FW-200 effectua de longues missions de reconnaissance et servit notamment à filer les navires. Il joua alors le rôle de poste de commandement pour les U-boats. Toutefois, à cause de la faiblesse de sa structure, il ne fut jamais beaucoup apprécié des équipages. À la fin de 1937, la production du BF-109 battait son plein. Le succès de cet appareil était essentiellement dû à son moteur, le Daimler-Benz 600. Ce 12 cylindres en ligne disposé en 2 rangées de 6 cylindres parallèles était une petite merveille de mécanique. Cette présentation résultait de l'idée selon laquelle un moteur long et étroit se révélerait plus aérodynamique et permettrait donc à l'avion d'obtenir un gain de vitesse significatif. Le Daimler-Benz 600 équipa également le Messerschmitt BF-110, un chasseur bimoteur. La faible traînée obtenue grâce à cette forme aérodynamique constituait un atout majeur pour les ingénieurs qui, lorsqu'il s'agit d'avions de chasse, recherchent toujours un gain en matière de vitesse. Et en 1937, le moteur en ligne devint quasiment la norme universelle pour les chasseurs. Les Hurricane britanniques étaient équipés du moteur Merlin de Rolls-Royce, qui présentait les mêmes caractéristiques, puissance et forme aérodynamique. Voici le Vought 141, un avion américain d'avant-guerre qui ne fut jamais adopté par l'armée américaine. Un exemplaire de cet appareil avait cependant été vendu au Japon et certains soupçonnèrent l'Empire du Soleil Levant de s'en être inspiré pour concevoir ses propres chasseurs. Au lieu du moteur en ligne, le 141 utilisait alors un moteur radial à refroidissement par air. Les cylindres étaient disposés en cercle autour du vilebrequin. Moins aérodynamique que le moteur en ligne, celui-ci était pourtant très apprécié de l'US Navy. Il offrait effectivement une meilleure fiabilité et il présentait l'avantage de ne pas nécessiter de radiateur. Il était en outre beaucoup plus court, ce qui permettait d'embarquer davantage d'appareils sur le pont d'un porte-avions. La société Pratt & Whitney poursuivit le développement du moteur radial à refroidissement par air en tant qu'alternative au moteur en ligne à refroidissement par eau. Mais en dehors des chasseurs de la Navy, on ne le retrouvait que sur les avions de ligne et les bombardiers pour lesquels un moteur aérodynamique ne constituait pas une nécessité absolue. Au début des années 30, quelques moteurs Pratt & Whitney furent vendus à l'Allemagne avant d'être par la suite produits sous licence par la société BMW. En dépit du succès rencontré par le BF-109, certaines personnes au sein de la Luftwaffe continuaient à insister sur la nécessité d'un second chasseur. Daimler-Benz se trouvait alors dans l'impossibilité de fournir davantage de moteurs et dans ces conditions, le projet de Focke-Wulf, un chasseur à moteur radial BMW, fut adopté en tant que solution de réserve. Le nouvel avion de Kurt Tank était remarquablement profilé et surtout solide. D'autre part, sa construction était d'une grande simplicité. Le FW-190 était un petit chef-d'œuvre. Les lignes de production du 190 furent mises en place dès les premiers mois de 1939. Cet avion n'allait pas seulement être produit en masse,
mais il allait l'être en recourant à de nombreux sous-traitants, chacun chargé de fabriquer des pièces spécifiques en grande quantité. Déjà, en 1939, bien avant que l'Allemagne ne devînt la cible des premières aides de bombardement, le haut commandement allemand avait compris l'intérêt de la production de masse, mais au moyen d'un réseau décentralisé de fournisseurs. En effet, disséminées à travers le pays, ces petites usines seraient des cibles particulièrement difficiles à atteindre pour les bombardiers alliés. Avant la fin de la guerre, l'ensemble des pièces composant le FW-190 provenait alors de 24 usines différentes. Le poids de cet appareil était relativement élevé. Il pesait avec le plein de carburant près de 4,5 tonnes contre 3,6 tonnes pour le BF-109. Cette différence de poids s'expliquait par la recherche d'une plus grande résistance de l'appareil. Les ingénieurs de Focke-Wulf souhaitaient qu'il pût faire face aux pires conditions d'exploitation. Toutefois, une question subsistait. La puissance supplémentaire du BMW 18 cylindres type 139 serait-elle suffisante pour compenser le supplément de poids et de traînée du 190 par rapport au BF-109? Tous les constructeurs de moteurs en ligne destinés à des chasseurs travaillaient déjà à plein temps pour la société Messerschmitt. Et Kotang se retrouva donc de ce fait dans l'obligation de recourir à la technologie pourtant impopulaire du moteur radial. Le BF-109 se distinguait également du 190 par ses ailes démontables, assemblées au fuselage par une unique poutre. Le FW-190 possédait quant à lui de très grosses ailes assemblées conjointement sur lesquelles venait se placer de part et d'autre le fuselage. Les jointures étaient ensuite recouvertes d'une plaque destinée à offrir une meilleure résistance et un gain supplémentaire de vitesse. Tout cela reflétait la philosophie de Kurt Tank, un design simple, des pièces solides et utiliser au maximum toute la technologie disponible. Le moteur BMW fut bientôt prêt à être installé sur le chasseur. Cet élément clé de tout le projet devait être testé selon les critères de la nouvelle formule, puissance, poids et aérodynamisme. Le 1er juin 1939, le pilote d'essai en vol de la société Focke-Wulf, Hans Sanders, se retrouva sur la piste de Brême aux commandes du premier prototype du 190, appelé V1, afin de mettre ses nouvelles théories à l'épreuve. Les caractéristiques de vol se révélèrent tout à fait impressionnantes, avec notamment une bonne stabilité, une incroyable amplitude de roulis et de plongée au freinage, ainsi qu'une maniabilité peu commune. Il n'y avait cependant pas que de bonnes nouvelles. Lorsqu'il posa l'appareil, Hans Sanders signala effectivement un grave problème de surchauffe du BMW 139. Les vols suivants confirmèrent ce compte-rendu. La fiabilité du moteur était gravement menacée. Et la température à l'intérieur du cockpit atteignit rapidement 45 degrés. On décida alors de remédier à cette surchauffe moteur en remplaçant le livre d'hélice par un capot moteur ajusté. Cette modification s'avéra bénéfique, mais ne résolut pas entièrement ce problème qui allait empoisonner le programme de développement pendant encore 2 années. Après l'achèvement des 2 premiers prototypes, les améliorations se succédèrent à un rythme beaucoup moins rapide. D'autre part, le Messerschmitt 109 était maintenant bien intégré et dans ces conditions, le ministère de l'air du Reich s'intéressait un peu moins au Focke-Wulf. Les modifications et les essais se poursuivirent tout au long de l'année 1940. Le 3e prototype était équipé du BMW 801 plus puissant, tandis que d'autres appareils utilisaient des versions courtes ou longues de l'aile à 2 poutres. Cependant, les problèmes moteurs persistaient. Mais entre-temps, le Focke-Wulf était devenu une priorité absolue. Il était temps de décider de son avenir. Avant de s'engager,
Le ministère de l'Air ordonna qu'une série d'essais comparatifs fût réalisée pendant l'année 1941. En mars, quelques pilotes très expérimentés de l'escadre JG-26, assistés d'un groupe d'ingénieurs de Focke-Wulf, entamèrent des essais complets sur un terrain situé près de Rachlin. Pendant les mois qui suivirent, ils réalisèrent un programme complet d'évaluation du prototype du FW-190A de pré-production et du BF-109F. À la fin du mois de novembre, la JG-26, commandée par Adolphe Galland, testa également le 190 en conditions opérationnelles. Lors de sa toute première sortie dans les environs de Dunkerque, elle affronta en effet une importante formation de Spitfire. Là, bien que largement surpassés en nombre, les 190 réussirent à abattre trois appareils britanniques. Le 10 décembre, l'équipe d'évaluation de Rechlin livra son rapport. À basse altitude, le Focke-Wulf se montrait plus rapide que le Messerschmitt, tandis qu'il égalait ses performances à une altitude comprise entre 4 et 5000 mètres. Au-delà de 5000 mètres, ses performances diminuaient fortement, et le Messerschmitt se montrait alors plus rapide avec une différence de 20 km/h. En piqué, et ce depuis n'importe quelle altitude, le 190 pouvait facilement surpasser le 109, mais s'avérait nettement inférieur lorsqu'il s'agissait de l'ascension. Il lui fallait quasiment une minute de plus pour atteindre les 5000 mètres et encore 6 minutes supplémentaires pour passer à 10000 mètres. Malgré cela, il disposait d'un rayon d'action plus étendu et il surclassait totalement le 109 en termes de maniabilité. Grâce à ses gouvernes nettement plus souples, le Focke-Wulf pouvait à n'importe quelle vitesse prendre des virages et réaliser des tonneaux plus serrés que le Messerschmitt. J'aimais beaucoup le FW-190, car c'était un avion nettement supérieur au ME-109. Il était très maniable. Vous pouviez voler en rase-motte, à haute altitude. Vous pouviez faire tout ce que vous vouliez. Il était vraiment formidable. Pour ce qui est des inconvénients de cet appareil, lorsque vous vous présentiez sur la piste de décollage, vous ne disposiez pas d'une très bonne visibilité. Vous étiez gêné par ce gros moteur radial. Et dans ces moments-là, il fallait être très prudent, mais une fois en l'air, c'était un vrai plaisir. En dépit de son poids plus important et de la limitation du champ de vision, cet avion offrait une grande sécurité au sol grâce à un solide train d'atterrissage. C'était un grand changement par rapport au BF-109 qui, avec son train d'atterrissage étroit et instable, était extrêmement difficile à poser. Atterrir sur un terrain sablonneux ou chaotique avec un Messerschmitt était un exercice périlleux et beaucoup de nouvelles recrues se tuèrent en tentant cette manœuvre. Grâce à sa conception soignée, le 190 était un appareil facile à entretenir. Par ailleurs, un mode de construction efficace, les tronçons étant construits séparément, permettait à la fois de le produire rapidement et avec beaucoup de facilité. Il était extrêmement résistant et même en cas d'atterrissage d'urgence sur le ventre, la cellule subissait peu, voire aucun dommage. En effet, un blindage protégeait à la fois le pilote et le moteur. Et avec un armement composé au minimum de 6 mitrailleuses, la puissance de feu du Focke-Wulf était nettement supérieure à celle du Messerschmitt. Le 190 était incontestablement plus sûr que le 109. Le 190 était sans doute moins rapide, mais il disposait d'un très bon armement. Et il y avait 4 mitrailleuses disposées autour du moteur. Elles étaient à côté du moteur. Vous observerez d'ailleurs que les meilleurs résultats en combat sur une journée étaient généralement obtenus par les 190. Dans son dernier rapport, l'équipe d'essai indiquait que malgré le manque de fiabilité de son moteur, le FW-190 était nettement moins vulnérable en situation de combat et qu'il présentait un certain nombre d'avantages significatifs par rapport au BF-109F. Le Focke-Wulf disposait d'un moteur très résistant. Il était en lui-même très robuste et très bien conçu.
Il résistait très bien lors d'une attaque, certainement beaucoup mieux que le ME-109. Le Focke-Wulf avait un moteur à refroidissement par air, tandis que celui du ME-109 était refroidi par eau. Dans ces conditions, si un projectile endommageait le circuit de refroidissement, le ME-109 était perdu, alors que le Focke-Wulf, avec son refroidissement par air, pouvait poursuivre sa route. Le Focke-Wulf était plus rapide à basse altitude, par exemple jusqu'à 6000 mètres. Mais au-dessus, le ME-109 lui était supérieur. Mais la plupart des combats aériens ont généralement lieu en dessous de 6000 mètres. Le Focke-Wulf bénéficiait donc là d'un grand avantage. Il était beaucoup plus robuste que le ME-109. Toutefois, il pouvait présenter certains inconvénients. Par exemple, lors d'un bombardement en piqué, à cause du refroidissement par air, et en fonction de la vitesse, il offrait trop de résistance à l'avancement, ce qui affectait sa stabilité. Parfois, l'avion penchait d'un côté, et vous pouviez vous retrouver alors dans une situation désespérée. Vous perdiez le contrôle, et il était très difficile de le redresser. À la fin de l'année, le RLM avait passé une importante commande, plus de 400 appareils. D'autres commandes suivirent et la demande excéda rapidement la capacité de production des usines Focke-Wulf. Arado, Fissler et Ago reçurent l'ordre du ministère de l'Air de produire cet appareil sous licence. Dans ces conditions, le rythme de production augmenta rapidement. Au printemps 1942, il avait atteint le chiffre de 250 exemplaires par mois. Les premiers appareils furent affectés à la JG-26, qui, quelques semaines plus tard, compta trois escadrons de 190 entièrement opérationnels. Leur apparition au-dessus des côtes de la Manche constitua une surprise totale pour la RAF. Le Focke-Wulf surclassait aisément le Spitfire Mark V, et après plusieurs succès significatifs, ses adversaires lui donnèrent alors le surnom de Butcher Bird, l'oiseau bouché. En février 1942, le nouveau chasseur participa à sa première opération de grande envergure, l'opération Cerberus. Le 11, à 23 heures, deux croiseurs cuirassés, le Scharnhorst et le Gneisenau, appareillèrent depuis le port de Brest. Accompagnés du croiseur lourd Prinz Eugen, les deux navires étaient chargés d'ouvrir un passage jusqu'à Douvres. Après avoir quitté les eaux britanniques, ils devaient ensuite rejoindre leur propre base à Wilhelmshaven. Leur route était découpée en cinq tronçons distincts et la Luftwaffe était chargée de leur procurer un appui aérien constant. Commandés par Adolphe Galland, les Focke-Wulf de la JG-26 et les Messerschmitt de la JG-2 leur assurèrent une couverture depuis le Havre jusqu'à l'embouchure du Rhin. De Jever à Wilhelmshaven, ces navires furent escortés par les chasseurs de la JG-1. Toutefois, le 12 février, peu de temps après-midi, ces bâtiments furent repérés par une patrouille d'avions de reconnaissance britannique. Pendant les 24 heures qui suivirent, ils allaient devenir la cible de tirs côtiers d'artillerie, de plusieurs attaques de la Royal Navy et de raids de bombardements répétés de la RAF et de l'aéronavale britannique. Néanmoins, toutes ces attaques purent être repoussées. Au cours d'un seul raid, la JG-26 détruisit six bombardiers lance-torpilles anglais, nommés Swordfish. La Luftwaffe avait abattu un total de 49 avions britanniques, contre la perte de seulement 4 appareils. En avril 1942, la JG-2 devint la seconde escadre de Focke-Wulf, entièrement opérationnelle de la Luftwaffe. Lors des 4 mois suivants, cet appareil allait dominer le front occidental et devant l'augmentation constante de ses pertes, la RAF s'alarma. Grâce à une version chasseur-bombardier du FW-190, la JG-2 et la JG-26 parvinrent à frapper avec succès différentes cibles sur le territoire britannique. Après le malheureux débarquement de Dieppe,
Ces deux escadres rapportèrent avoir détruit près d'une centaine d'appareils britanniques. La réaction de la Grande-Bretagne à cet oiseau bouché ne se fit pas attendre. Avant la fin de l'année, Rolls-Royce réussit à mettre au point un nouveau moteur avec compresseur à double étage, le Merlin 61. Lorsqu'il fut installé sur le Spitfire Mark 9, la situation se modifia radicalement. Malgré sa ressemblance avec le Mark 5, le Mark 9 devint la version de référence du Spitfire. Celle-ci bénéficiait d'importantes améliorations par rapport aux versions précédentes et grâce à un niveau de performance fortement accru, elle se montrait tout à fait à la hauteur du 109F ou du FW190. Douglas Bader, un as de l'aviation britannique, décrit la réaction de Johnny Johnson, le plus grand as de la RAF, lors de sa première rencontre avec le FW190. Johnny est arrivé et nous a annoncé qu'il avait vu un nouvel avion allemand avec un moteur en étoile et des ailes au bout carré. Il s'était montré nettement supérieur au Spitfire, et cela dans tous les domaines. Ensuite, un membre des services de renseignement est arrivé et a déclaré « Nous pensons que ce doit être un vieux Curtiss que les Américains ont vendu aux Français ». Johnny a alors dit, si ces vieux Curtiss sont aussi performants que cela, ne pourriez-vous pas nous en donner, s'il vous plaît? Et ils ont découvert quelques semaines après que c'était le Focke-Wulf 190. Par la suite, les constructeurs britanniques ont doté le Spitfire d'un nouveau moteur. C'était la version Mark 9. Cet appareil a dominé tout le reste de la guerre. Il était meilleur que le 190 dans tous les domaines. Le Spitfire était supérieur, mais tout dépendait également du genre de tour que votre adversaire s'apprêtait à vous jouer. Lorsque le Spitfire Mark V est devenu opérationnel, nous étions plus rapides. En outre, nous étions également capables de voler à très basse altitude. Dans ces conditions, le Spitfire ne pouvait pas nous rattraper. Alors de nouveaux modèles de Spitfire sont apparus avec des moteurs toujours plus performants. Par exemple, les Merlin de Rolls-Royce. Ils ont donc repris l'avantage, car ils étaient plus rapides et pouvaient voler à plus haute altitude que nous. Nous devions rapidement mettre au point quelque chose de plus performant. Nous avons alors développé un système d'injection d'un mélange eau-méthanol. Ce fut une amélioration de plus de 60, 70, voire 80 chevaux. Et nous avons alors repris l'avantage sur le Spitfire. Deux mois plus tard, la JG-51 allait devenir la première escadre de la Luftwaffe à employer le Focke-Wulf 190 sur le front de l'Est. La JG-54 suivit peu de temps après et en janvier 1943, les quatre escadrilles de la JG-51 avaient toutes reçu la toute dernière série A4. Dès qu'ils entrèrent en action, les Focke-Wulf commencèrent immédiatement à infliger de lourdes pertes aux unités terriblement sous-équipées de la force aérienne russe. En seulement 48 heures, à la fin du mois de février, la JG-51 abattit 89 appareils soviétiques. Les Russes avaient un grand retard. Leurs pilotes n'étaient pas formés à la tactique. De plus, ils volaient sur des avions complètement dépassés, qui devaient dater de la guerre d'Espagne. Leur escadre de chasseurs se composait essentiellement de CHE-16 et de CHE-15V, un biplan. Dans ces conditions, les Russes ont enregistré d'énormes pertes.
Lors de la bataille de Koursk, en juillet, la Luftwaffe annonça la destruction de 450 nouveaux appareils. Cependant, malgré ces succès, la guerre aérienne à l'ouest commençait à tourner à l'avantage des Alliés. À la suite de la conférence de Casablanca en janvier 1943, la campagne américaine de bombardement de jour commença à s'intensifier sensiblement. Les raids augmentèrent à la fois par leur taille ainsi que par leur fréquence. Et lorsque les bombardiers quadrimoteurs commencèrent à s'enfoncer davantage au-dessus de l'Europe occupée, la Luftwaffe se vit contrainte d'assumer un rôle défensif. Ses ressources se trouvèrent alors réduites au minimum. Et pour pouvoir répondre à cette menace, de nombreuses escadres de chasseurs durent être rapatriées en toute hâte depuis d'autres théâtres d'opération. À ce moment-là, pas moins de 16 versions différentes étaient disponibles pour le Focke-Wulf. Celle-ci lui permettait d'emporter une grande diversité d'armements et d'équipements spécialisés. Baptisé Rutschstatz, chaque kit présentait une combinaison différente identifiée par un numéro de R. En 1943, la campagne de bombardement de jour des Américains gagnait en intensité et beaucoup d'unités de FW-190 quittaient d'autres théâtres d'opération pour venir défendre le territoire allemand. Le type de mission variait en fonction de la situation. Si seuls quelques chasseurs approchaient, nous décollions avec 4 appareils. Mais s'il y en avait davantage ou bien tout un groupe, nous décollions alors avec 8 à 12 appareils par mission. Durant l'automne 1943, la Luftwaffe remporta quelques-unes de ses plus grandes victoires face aux bombardiers américains. Le 1er août, 55 bombardiers lourds furent abattus au cours d'un raid contre les installations pétrolières de Ploiești en Roumanie. 2 semaines plus tard, les Américains lancèrent une attaque contre les centres industriels de Regensburg et de Schweinfurt. Ces 2 cibles se situaient bien au-delà du rayon d'action des chasseurs alliés. Et dès lors, les bombardiers privés d'escorte se retrouvèrent seuls pendant 2 heures face à une Luftwaffe déchaînée. Soixante B-17 furent perdus lors du premier raid, le 17 août, et à peu près un mois plus tard, encore 60 autres bombardiers ne purent rejoindre leur base après un second raid très destructeur. Les pilotes de la Luftwaffe utilisaient différents types d'armes et de tactiques contre le flot incessant des bombardiers américains et britanniques. Certains chasseurs pouvaient lancer des roquettes de 210 mm placées sous chaque aile. D'autres venaient se placer au-dessus des grandes formations de bombardiers avant de larguer des bombes de 250 kg. Nous tentions à cette époque constamment d'améliorer l'efficacité de nos chasseurs. C'était la même chose pour nos ennemis. Lorsque les forteresses volantes ont fait leur apparition, nous avons dû trouver de nouvelles armes pour les combattre. Et c'est comme cela que nous avons commencé à utiliser des roquettes. Pour faire face à la campagne de bombardement de nuit de la RAF, 3 escadres de 190 adoptèrent une tactique particulière baptisée le Wildesau. Des équipes étaient chargées de repérer puis de braquer leurs projecteurs sur le bombardier qui était alors détruit par les chasseurs. En dépit de l'obscurité, tout appareil éclairé par ces faisceaux de lumière devenait une cible facile. Les unités de Wildesau entrèrent en action à partir de l'été 1943. Par la suite, avec l'apparition du radar Naxos, leur efficacité allait fortement s'amplifier. Une fois acquise la maîtrise du ciel la nuit, elles étendirent leurs opérations en effectuant des missions d'interception le jour par mauvais temps. J'ai été affecté près de Göteborg dans la 304e escadre de chasse de jour. J'étais alors ce qu'on appelait un chasseur à haute altitude. Nous nous déplacions beaucoup dans l'ouest. Au moment de l'affaire d'Arnhem, j'ai pris la chose très à cœur. Alors, j'ai été abattu près de Richlinghausen.
Je dois dire que ces appareils ont été pour moi l'expérience la plus difficile de toute ma vie de pilote. Lorsque vous pilotiez un avion en portant un très lourd armement et que vous deviez attaquer des avions de transport, et qu'en plus, vous saviez pertinemment qu'il y avait des êtres humains à l'intérieur, c'était vraiment une expérience terrible. En 1943, la Luftwaffe se retrouva au sommet de sa puissance. Au milieu de cette année-là, l'Allemagne disposait de plus de 6000 appareils sur la ligne de front. La production de Focke-Wulf s'était nettement intensifiée et à l'automne, près de 5000 avions avaient été construits. Entre 1942 et 1944, la production totale pour tous les types d'avions militaires progressa au rythme de 60% par an. Pendant ce temps-là, sur le front de l'Est, Hitler avait lancé l'opération Citadelle. L'issue de cette offensive de grande envergure qui visait à détruire les forces russes déployées à Koursk jouera un rôle décisif pour l'avenir des combats sur le front de l'Est. 2500 Panzer bénéficièrent d'un appui au sol de 8 escadres de chasseurs, comprenant à la fois des FW-190 et des BF-109. Nous avons eu une grande surprise. Ils avaient réussi à établir une nouvelle ligne de production bien au-delà de la portée de nos bombardiers. Elle devait se trouver en aval de la chaîne de l'Oural, en tout cas dans cette zone. Et ils avaient réussi à produire entre-temps une énorme quantité d'appareils. Ils disposaient de Yak, qui étaient de très bons avions de chasse. Leurs pilotes étaient également mieux entraînés depuis la fin 42. Ils avaient réussi à mettre sur pied de véritables unités d'élite. Pourtant, à elles seules, les escadres de chasse allemandes parvinrent à détruire près de 450 appareils soviétiques pendant 7 jours d'un combat quasiment continu. L'avancée allemande, en dépit de ce succès, fut néanmoins stoppée. Koursk constitua un tournant décisif. Et pendant le restant des combats sur le front de l'Est, les panzers de Hitler se retrouvèrent sans cesse en position défensive. En 1944, la Russie s'était dotée d'appareils nettement plus performants. La situation n'était plus comparable. Il était très difficile de les abattre, car ils étaient lourdement blindés, aussi bien sous le fuselage qu'à l'arrière. Il fallait se présenter par l'arrière et viser avec une très grande précision pour les toucher. Je connais beaucoup de pilotes qui ont touché leur cible et qui ont constaté que l'avion volait toujours. L'impossibilité pour les chasseurs allemands d'arrêter les appareils soviétiques comme le Stormowitsch influença certainement le cours des batailles de chars sur le front de l'Est. En février 1944, les bombardiers américains reprirent leur campagne de jour, mais cette fois escortés de chasseurs à long rayon d'action. La 8e Air Force lança de nombreux raids contre les usines de Focke-Wulf, BMW et Messerschmitt. Les moyens de défense de la Luftwaffe étaient une fois de plus réduits au minimum, et dans l'espoir de redresser la situation, Focke-Wulf forma sa propre unité de chasseurs pour assurer la défense de ses usines. Cette petite escadrille de pilotes d'essai participa à certaines opérations afin de défendre l'usine de Brême. Kurt Tank lui-même prit part à plusieurs missions, mais le ministère de l'Air, soucieux de sa sécurité, finit par l'en dissuader. Avec l'intensification de ces raids, de plus en plus de chasseurs étaient détruits au sol avant même d'avoir pu être livrés aux unités opérationnelles. Désespérée, la Luftwaffe mit sur pied une autre unité d'élite, les Sturmstaffel,
ou Ram Jaeger. Chaque pilote qui la rejoignait se voyait attribuer un Focke-Wulf 190 lourdement blindé. Ce pilote était formé aux techniques d'abordage et il devait abattre au moins un bombardier allié lors de chaque mission d'interception. À côté de cela, d'autres Focke-Wulf reçurent divers armements anti-bombardiers et anti-chars. Les SG-116, par exemple, étaient équipés de 3 ou 6 canons type 103 installés en position verticale sur la partie supérieure du fuselage. Baptisé Zellendusche, ce dispositif était conçu pour abattre des bombardiers en les frappant par en dessous. Grâce à une cellule photoélectrique, les canons de 30 mm étaient automatiquement déclenchés par l'ombre du bombardier lorsque ce dernier surplombait le chasseur. Avec un équipement plus ou moins comparable, seul le nombre et la détermination pouvaient faire la différence. Et c'est bien ce qui se produisit dans le ciel de l'Europe occupée avec les P-51 et les P-47 américains d'une part et les Spitfire Mark 9 britanniques d'autre part. La supériorité aérienne changea définitivement de camp. Le plus grand as américain de la Seconde Guerre mondiale, Francis Gabreski, a volé sur les Spitfire 9, P-51 et P-47. Le Spitfire Mark 9 a été principalement conçu comme chasseur-intercepteur. Il excellait véritablement dans ce rôle. Néanmoins, il avait ses limites. Il ne disposait pas d'un long rayon d'action. Il n'était pas fait pour l'endurance. Pour les missions d'escorte, il ne pouvait pas aller au-delà des côtes françaises. Et c'était à peu près tout. C'est pour cette raison que nous avons fini par recourir au P-51 et au P-47, sans oublier bien sûr le P-38. Pour les longues missions, je dirais que le P-51 était certainement le meilleur avion, car il disposait d'un plus grand rayon d'action que le P-47. Le P-47 était limité, cela explique le rôle qu'a joué le P-51. Toutefois, nous avions des P-47 car ces appareils disposaient d'une énorme puissance de feu par rapport au P-51 qui n'avait que 6 mitrailleuses. Aucun appareil dans le monde ne disposait d'une aussi grande puissance de feu. De plus, c'était un avion extrêmement robuste. Il était construit comme un tank et je pouvais en faire quasiment ce que je voulais. Il était tout à fait à la hauteur du Focke-Wulf 190, qui était lui-même supérieur au ME-109. Nous disposions d'un système d'injection d'eau qui augmentait notre puissance, disons de 3 à 5 minutes. Tout dépendait de la manière dont on l'utilisait. Cependant, cela nous procurait un énorme avantage par rapport aux avions de la Luftwaffe. Tout au long de la guerre, le FW-190 excella dans son rôle de plateforme polyvalente d'armement. C'était l'appareil idéal pour les opérations à basse et moyenne altitude. En revanche, dès qu'il dépassait les 7000 mètres, les faibles performances de son moteur devenaient alors un handicap insurmontable. Focke-Wulf tenta de remédier à cela en travaillant sur deux nouveaux prototypes équipés tous les deux de moteurs plus puissants. Les prototypes de la série B utilisaient un système d'injection de monoxyde d'azote, le GM1, tandis que ceux de la série C étaient équipés d'un moteur Daimler-Benz à turbocompresseur. Les deux versions comprenaient un cockpit pressurisé, mais aucune d'elles ne se révéla suffisamment fiable pour être produite à grande échelle. Les performances à haute altitude demeurèrent un problème constant jusqu'à l'arrivée de la série D en 1944. Kurt Tank avait résolu le problème de la puissance d'une autre façon. Le Junkerio 88 était un bombardier polyvalent qui utilisait différents moteurs, dont le Yumo 213. Ce dernier ressemblait à un moteur radial, mais il était en réalité un 12 cylindres en V avec un radiateur circulaire placé derrière l'hélice. Contrairement au Daimler-Benz, le Yumo était quant à lui parfaitement disponible et sans la moindre hésitation, Tank décida de l'installer sur le 190. Focke-Wulf commença ainsi à mettre au point ce qui aurait bien pu devenir le meilleur avion de chasse de toute la Seconde Guerre mondiale.
Dans le souci d'équilibrer l'appareil, le fuselage arrière fut allongé de 1,35 m et doté d'une plus grande dérive d'empennage. Lorsque le prototype effectua son vol inaugural à Langenhagen en mai 1944, il connut un succès immédiat. Avec une vitesse maxi de 685 km/h, il était plus rapide que tous les autres 190, et cela à n'importe quelle altitude. Il disposait d'une meilleure vitesse ascensionnelle, d'une meilleure accélération et d'un plafond pratique nettement plus élevé. Dans les cas d'urgence, un système d'injection au méthanol MW50 permettait d'obtenir momentanément un gain de puissance de près de 30%. Dans l'ensemble, la nouvelle version bénéficiait de très nettes améliorations par rapport à ses prédécesseurs. Les pilotes considérèrent bientôt le 190D comme le meilleur chasseur à moteur à piston de toute l'histoire de la Luftwaffe. Cependant, cette année-là, l'armada aérienne de l'adversaire devenait écrasante face aux faibles unités de chasseurs allemands. Le 9 avril 1944, des raids de bombardement américains bien ciblés détruisirent 70% de l'usine Focke-Wulf à Marienburg. Deux mois plus tard, lorsque les Alliés débarquèrent en France, ils furent soutenus par une force de plus de 4000 chasseurs et chasseurs-bombardiers. Pour affronter cette énorme flotte aérienne, l'Allemagne comptait moins de 300 chasseurs opérationnels stationnés en Normandie. La crainte d'un second débarquement dans le Pas-de-Calais eut pour effet de maintenir les renforts de la Luftwaffe en dehors de la zone de combat pendant encore deux semaines. Et lorsque ceux-ci purent enfin arriver, Berlin ordonna qu'on limitât les opérations de combat au maximum afin d'économiser le carburant. Le 20 juin, 15 escadres de Focke-Wulf étaient à même d'intervenir sur le front du débarquement. Malgré les difficultés, celles-ci parvinrent à infliger de lourdes pertes aux Alliés. Mais bientôt, tous les terrains d'aviation allemands situés aux portes de la Normandie se retrouvèrent sous un feu continu. Au bout de quelques semaines, la Luftwaffe avait perdu près d'un millier d'avions et lorsque les Alliés entamèrent leur avancée, les dernières unités de chasseurs allemands se replièrent pour défendre le territoire national. En octobre, Hitler présenta des plans en vue d'une reprise en main de la situation à l'ouest. Avec une attaque surprise à travers la forêt des Ardennes, il espérait se frayer un passage jusqu'à la côte. En prélude à cette offensive, la Luftwaffe devait assurer la protection des panzers en effectuant une série d'attaques contre les terrains d'aviation alliés. Le plan avait été méticuleusement étudié et le 1er janvier 1945, 800 chasseurs décollèrent dans le cadre de l'opération Bodenplatte. Conduits jusqu'à leurs objectifs par des U-88, les FW-190 et les ME-109 frappèrent 17 terrains d'aviation en Belgique, France et Hollande. Les pertes les plus lourdes furent infligées par la JG-26 à Evere près de Bruxelles. Avec l'effet de surprise, plus d'une centaine d'appareils alliés furent détruits au sol. Mais ailleurs, les chasseurs allemands ne connurent pas une si grande réussite. À Asch, en Belgique, 13 Focke-Wulf et 10 Messerschmitt furent abattus par 12 Thibault de la 487e escadre de chasse. Un groupe de Spitfire du 131e Wing en abattit 20 autres pour une seule perte. En tout, 93 chasseurs allemands furent détruits au-dessus des territoires détenus par les Alliés. Et lorsqu'ils tentèrent de regagner leur base, beaucoup d'autres furent abattus par leur propre défense anti-aérienne. À la fin de la journée, les pertes américaines et britanniques s'élevaient à 250 appareils. De son côté, l'Allemagne avait, elle, perdu plus de 300 pilotes. C'était un échec tactique complet. Tous les appareils alliés purent être remplacés en quelques jours, mais la perte de pilotes et d'avions constitua pour la Luftwaffe un énorme revers. Je me souviens d'une histoire. L'appareil de notre commandant avait un problème de radio et il n'arrivait pas à la faire fonctionner. Il s'est donc installé dans mon avion. Je suis parti environ une demi-heure plus tard pour me rendre de Karman à Cobourg, afin de le suivre.
À ce moment-là, un groupe de Mustangs est apparu à côté de moi. Il devait y en avoir une douzaine. Ils se préparaient tous à m'attaquer, mais grâce à mon expérience, j'ai réussi à leur échapper. Ils ont essayé de revenir sur moi. Je me suis servi alors de tout l'armement dont je disposais. Et j'ai tiré tant que j'ai pu. Ces pilotes se sont réellement sentis frustrés, car ils n'arrivaient pas à me rattraper. J'étais seul, contre 12. J'ai réalisé que j'allais bientôt manquer de carburant, et j'ai alors décidé de plonger en piqué vers la frontière russe. Ils m'ont suivi pendant un certain temps, mais comme je volais à basse altitude, ils n'ont jamais pu me rattraper, mon FW-190 étant aussi rapide que leur avion à cette altitude. Tout en volant ensemble à très basse altitude vers l'est, j'espérais qu'ils réalisent qu'ils étaient en train de violer l'espace aérien russe et qu'ils feraient alors demi-tour lorsqu'ils s'en rendraient compte. Une fois avoir pénétré profondément dans l'espace aérien russe, effectivement, les pilotes américains ont fait demi-tour. Et grâce à cette ruse, j'ai pu une fois de plus m'en sortir. Les uns après les autres, les généraux allemands se rendirent avec leurs unités. La dernière capitulation eut lieu le 7 mai, et Göring étant lui-même prisonnier des Alliés, la résistance de la Luftwaffe prit alors fin. En mars 1945, les Russes avaient détruit toutes les usines Focke-Wulf implantées à l'est. À l'ouest, elles avaient toutes subi d'énormes dégâts, et les bombardements alliés intensifs avaient par ailleurs détruit la plupart des terrains d'aviation allemands. Au début du mois d'avril, il restait moins d'un millier de FW-190 en service. Au moment de l'effondrement de ce pays, quelques semaines plus tard, les Alliés détruisirent systématiquement les avions allemands en même temps qu'une grande partie du matériel de guerre nazi. Dans toute l'Allemagne occupée, les services de renseignement de l'US Air Force se dépêchèrent de collecter des échantillons de la technologie allemande avant leur destruction par les soldats en retraite. Ainsi, ces services purent mettre la main sur des dizaines de FW-190 qui allaient être soigneusement examinés et comparés. Ces quelques images montrent un FW-190 transporté aux États-Unis pour y subir de plus amples investigations. Je l'aimais beaucoup car il était résistant, robuste, bien équipé et bien armé. Par ailleurs, le décollage et l'atterrissage étaient très faciles. Son pilotage était un vrai plaisir. La planche de bord était extrêmement facile à lire. On peut dire que c'était un très bon appareil. Ça ne fait pas le moindre doute. Un jour, j'ai eu l'occasion de piloter le Focke-Wulf au cours d'un entraînement. J'ai effectué 13 exercices pendant 5 heures de vol. Je fus très impressionné par cet appareil. Je l'ai tellement apprécié que je me suis ensuite porté volontaire pour rejoindre le front avec une escadrille de Focke-Wulf. Oui, je ne peux que répondre positivement à cette question. Le Focke-Wulf a bien été l'un des meilleurs avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale. La décision d'adopter le FW-190 n'est intervenue qu'après coup. Il devait simplement servir de soutien au BF-109. Focke-Wulf ne put d'ailleurs le produire que parce qu'il était équipé d'un moteur en étoile, technique alors peu populaire chez les autres constructeurs. Ces ingénieurs parvinrent ensuite à résoudre les problèmes d'aérodynamique de cet avion grâce à une plus grande puissance moteur. Le moteur radial survécut finalement aux critiques et il fut adopté par les constructeurs britanniques, japonais et américains. Le FW-190 est aujourd'hui considéré à juste titre comme l'un des plus grands chasseurs de l'histoire.